Barbara, parlez-nous un petit peu de votre dernier ouvrage. Alors, le nouveau féminisme commence avec l'affaire Weinstein, avec hashtag MeToo, le monde entier qui prend la parole, les femmes, mais aussi les hommes. Et c'est le premier ouvrage dans les suites de l'affaire Weinstein qui reprend, revisite l'ensemble des féminismes, en baptise d'autres qui n'étaient pas reconnus comme tels jusqu'à ce jour, comme le féminisme entrepreneurial, par exemple, ou le féminisme d'artiste. Le féminisme qui fait et qui englobe tout ça à l'intérieur de ce nouveau féminisme avec une magnifique fin qui parle d'éros et de liberté et surtout de la puissance des femmes. D'accord. Et alors justement, si on parle du nouveau féminisme, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le nouveau féminisme et l'ancien ? C'est que, en fait, le nouveau féminisme se base non pas sur l'ancien, mais sur tous les anciens. Parce qu'il y a une vraie galaxie de féminisme. J'en ai nombre 15 dans le livre, mais dans le chapitre 16, je fais la liste de tous ceux dont je ne parle pas. Donc, le nouveau féminisme, c'est la réunion de l'ensemble de ces mouvements, pour certains très actifs depuis très longtemps, pour d'autres, comme le féminisme pro-sexe ou le féminisme pop, plus récent. D'accord. Est-ce que vous pensez que le féminisme, c'est quelque chose qui est très actuel ou c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à se démener et du coup, on parle maintenant de nouveau féminisme pour en fait évoquer un nouveau type de féminisme qui se renouvelle? Non, je pense que ça ne se démode pas du tout. Au contraire, je pense que c'est vraiment plus actuel que jamais, que le féminisme devient un humanisme, selon la très belle phrase de Fourier qui dit que plus une femme est libre, plus l'homme sera heureux. Donc ça, c'est une phrase ancienne, mais c'est une réalité d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour être humaniste, on doit être féministe. Donc nous sommes tous des féministes, nous sommes tous des écologistes, c'est des aspects essentiels de l'engagement humain d'aujourd'hui. Quand vous dites une femme doit être libre, qu'est-ce que vous entendez par cette forme de liberté? Parce que encore hier, on avait une très belle vision de ce que pouvait être la différence entre la liberté de la femme et puis son statut dans l'ancienne société, si je peux dire. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses sont assez égalitaires, tendent à l'être. Qu'est-ce que vous entendez par une femme libre? Donc, bien sûr, c'est d'abord la liberté, c'est d'abord l'égalité des droits, l'égalité devant la loi. Et puis ensuite, c'est la possibilité merveilleuse qu'on a ici en Suisse notamment de pouvoir faire ce qu'on veut, de choisir le métier que l'on veut, de s'habiller comme on veut, de jouir comme les hommes de la liberté de parole et d'expression, de ne pas se voir censurer soit directement, soit indirectement. Je dois dire que le mois dernier, j'ai vu un de mes poèmes érotiques censuré à Genève. Donc, si vous voulez, la liberté, c'est jamais quelque chose d'acquis. C'est quelque chose pour quoi on s'engage tous les jours. Et j'espère que vous en êtes convaincus. Une femme libre, un homme heureux. Alors justement, si on peut donner quelques exemples pour qu'on comprenne bien cette notion qui est importante, qu'une femme libre, ça donne un homme heureux. Parce que comment on peut, comment dire, de manière concrète, expliquer ce... C'est une femme, par exemple, si elle n'a pas envie de faire la cuisine, qu'elle n'a pas envie de faire la vaisselle, qu'elle n'a pas envie de s'occuper des enfants, eh bien, elle prend la liberté de ne pas faire tout ça et ça donne la merveilleuse chance à l'homme de devenir un père à part entière, de faire à manger pour ses enfants, de s'en occuper du soir au matin et du matin au soir. Et ce bonheur-là, souvent, les hommes m'ont dit qu'ils l'acquièrent après le divorce. Mais non, mais c'est parce que les femmes ne prennent pas leur liberté à elles. Si les femmes envahissent leur espace de liberté, ça permet à l'homme d'enlever les stéréotypes qui sont sur ses épaules et de devenir aussi lui-même libre.